Le thème, c'était vraiment quelle formation, comment on pouvait améliorer la formation en Guadeloupe, donc qui puisse être accessible aussi bien en initiale, c'est-à-dire dans la formation qu'on retrouve à l'école, sur le socle de l'école normale, et aussi en formation continue, donc accessible aux adultes. Donc la question était vraiment, dans un premier temps, de faire un état des lieux de l'existant, à travers la Caraïbe, et ensuite d'essayer de voir les entrecroisements, les possibles transferts qu'il puisse y avoir d'une solution existante, par exemple au Brésil, à l'autre, ou bien justement trouver des leviers. Donc on a fait cet état des lieux donc, à travers la présentation de l'IFM, ESMOD, qui sont des écoles parisiennes. Ensuite, nous avons eu une intervention de monsieur qui a présenté une école, donc monsieur de la Tour, si je ne dis pas de bêtises, du Tour, pardon. Ensuite, nous avons eu aussi donc une intervention d'un créateur, un jeune créateur, qui a dit effectivement sa volonté de créer et qui a montré aussi ses freins à travers la question des finances et de l'organisation justement de la création pour que ça puisse se développer. Les grandes problématiques aujourd'hui pour un secteur où la mode se renouvelle perpétuellement, c'est de réussir à être toujours d'actualité. C'est un secteur qui va relativement vite. Et l'enjeu, c'est de réussir à former des personnes qui comprennent quelles sont les problématiques de demain, quels sont les grands enjeux, autant les enjeux de marketing, communication, distribution, retail. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent être un petit peu formées sur le tas. Ce sont des expériences qu'ils ont pu vivre. On a atteint en métropole vraiment un niveau de qualification très important. L'Institut français de la mode forme des personnes de niveau Bac plus 4, Bac plus 5, de façon à ce qu'elles puissent accompagner des créatifs et manager ce que l'on appelle la mode, le design, dans le sens où manager le produit, mais également son environnement, et une manière vraiment intéressante de le sublimer. Je dirais qu'il n'y a pas de parcours type, mais en soi, on a toujours un enrichissement qui se fait par des rencontres et par des écoles. Et par le bien des écoles, on essaie d'obtenir les premières clés pour après se développer soi-même dans nos propres projets. Here we go. Tout n'est pas facile parce que tout passe sur dossier. Des fois, il y a des écoles qui ne jugent essentiellement que sur les notes, d'autres qui regardent quand même un peu plus le travail personnel pour comprendre la pertinence de travail du candidat, le profil du candidat. Moi, je suis passé par des filières publiques pour mon BTS. J'ai essayé de continuer par une filière publique, mais qui était un peu plus prestigieuse, l'école de Dupéré. Je m'y suis mis deux fois à postuler pour cette école. Et je me suis rendu compte que par moment les écoles ne peuvent plus nous former si on atteint nous-mêmes un niveau personnel.